Dans ce tutoriel, nous vous montrons comment utiliser les outils flottants de Smart Notebook. Mon logiciel Smart Notebook est maintenant ouvert. Je vais aller chercher mes outils de géométrie, mes outils de mesure, par exemple, le rapporteur d'angle. Pour pouvoir travailler avec le rapporteur d'angle ailleurs que dans le notebook, je dois demander à l'ordinateur d'afficher avec un arrière-plan transparent. Je peux prendre mon outil et aller placer le rapporteur d'angle sur les angles à mesurer dans un autre document, par exemple dans un PDF ou dans un document Word. Alors, je peux utiliser la mesure d'angle en disant ici je suis bien à 0 et j'amène mon curseur ici en cliquant avec la souris sur la ligne de l'angle à mesurer. Donc, vous avez vu ici que j'avais en fait la mesure de l'angle. Voilà. Donc, ça me dit, par exemple, en cliquant ici, donc j'ai la réponse de la mesure. C'est aussi simple que ça. Si on veut revenir en arrière, on va dans le menu, dans le bas, puis dans l'écran, on va quitter le mode de l'arrière-plan transparent.